Visiblement, la CDAO a donné l'opportunité à Guillaume Soro, de se rapprocher des autorités maliennes. Il a apporté son soutien à la junte. Guillaume Soro, se range du côté du peuple malien, et de la junte. À la suite des sanctions de la CDAO, Guillaume Soro, se dit solidaire des Maliens. Il a plus d'une raison, de prendre position pour les militaires maliens au pouvoir. Depuis des mois, Soro Guillaume déployait un trésor d'efforts pour obtenir la libération d'un de ses proches. Arrêté depuis quelques mois à Bamako, 16 coucou, Dibensouk, Souk, était dans le viseur de Ouattara, et de la junte. Subitement, ce proche de Guillaume Soro, a été libéré hier dans la nuit. Derrière cette libération, on peut aisément y voir une mesure de rétorsion des autorités maliennes. Après les sanctions graves de la CDAO, imposant un embargo au Mali, la junte envoie un message, à assan Ouattara surtout. C'est peut-être pour montrer patte blanche à Abidjan, que Bamako avait accédé à l'arrestation de Bensouk. Mais, l'implication personnelle de Ouattara dans les sanctions contre le Mali a changé la donne. Pour Guillaume Soro, ce dénouement vient à point nommé, et contribuera, à n'en point douter, au raffermissement des relations séculaires entre les peuples maliens, et ivoiriens. De plus, il dirait affirmer son attachement profond à l'amitié, et à la fraternité entre ces deux peuples, qu'aucune manœuvre, ne devrait entacher la cohésion. Abonnez-vous pour plus de vidéos.